Donc ça, c'est déjà un gros up, et c'est ce qui fait que le personnage aura beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de résistance, quoi. Donc c'est giga fort. Mon ultime va complètement changer. Ben, la range est plus longue que l'ultime de Malphite au final. Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour tester la nouveauté qui est Rammus Jungle qui va être rework et du coup on peut dire qu'il va être up vu que son R maintenant est différent par rapport à avant. Vu que maintenant son R est un genre de jump qui permet de sauter à distance et écraser la zone centrale. Celui-ci met des dégâts au centre de cette zone quand vous êtes sous Q-Spell. Le Q-Spell c'est tout simplement en gros une boule qui te permet de te déplacer plus vite et qui bump l'adversaire. Après j'avais fait déjà une vidéo il me semble sur Rammus, donc si tu veux les mécaniques de Rammus tu les verras sur cette vidéo. En gros maintenant, plus tu as de movement speed, plus ton R peut sauter loin. Je sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis. Mais en gros voilà, c'est pour ça que les stuff de déplacement sont assez intéressants. Vous pouvez le jouer avec Ghost j'imagine pour le prochain patch. Vous pouvez aussi le jouer avec Flash. En tout cas ce qui est sûr c'est que plus tu as de movement speed, tu le verras autour de Rammus, il y aura un cercle bleu. Et le cercle bleu c'est la range sur laquelle tu vas pouvoir dash en termes de jump. Donc le Z aussi ils ont rajouté un nouveau truc. C'est que quand tu mets des auto-attaques et que t'es sous forme d'armure, le passif de ce sort là en fait va se reset. Regardez bien. Voilà, le passif se reset à chaque fois que je mets une auto-attaque. Avant, quand tu faisais ça, c'était un timing fixe qui dépopait. Sauf que maintenant, à chaque fois que tu mets une auto, bah, hop, ça relance le truc. Donc c'est plutôt pas mal pour le clear jungle et tu gagnes vraiment beaucoup de temps, quoi. Donc ça, c'est déjà un gros up sur le perso. Après, voilà, c'est juste surtout le Z et le R qui ont changé sur le perso. Et c'est ce qui fait que le personnage aura beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de résistance, quoi. Et il me semble que du coup, pour le clear jungle, ça rend les choses plus optiques, quoi. En tout cas, pour ceux qui se posent des questions sur YouTube, je suis en train de faire justement le guide sur ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch qui est dans la description et dans le message épinglé. Donc n'hésitez pas à venir à la chaîne petit follow pour voir peut-être les guides en avant-première. Là, on va tester Rammus, après on va tester Darius qui va recevoir un gros up au niveau du saignement de son passif dans les monstres de la jungle, donc c'est giga fort. Et après il y aura Mordekaiser aussi qui a apparemment un meilleur passif par rapport à avant sur les monstres. Et du coup vu que ton Z il dure plus longtemps qu'avant, bah, tu peux te permettre de faire ça, quoi. Je te mets entre les deux, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu peux arriver à 3-15 au carapateur et ça c'est giga worth. Ok, premier sang au top. Parce que ce qui est bien avec le Z c'est qu'il dure tellement longtemps que l'autre il se tue tout seul en fait. Et tu prends pas de dégâts. J'ai fait refresh mon bleu mais pourtant. Attends, niveau 2 le top. Voilà, et vous voyez qu'avec mon Q-Spell, j'ai une barre bleue autour de moi. Et c'est ce qui fait du coup que mon R ira plus loin, quoi. Je suis sur le serveur PBE, oui c'est un serveur de test qui est accessible du coup apparemment pour ceux qui sont Honor 3 ou plus. Vous pouvez créer des comptes. Lui dire il avait 12 ECS, donc dans la logique il y a ça de up ou sinon. Ok, c'est parce que je l'ai pas vu. Après je pense que ça il l'a pas fait. Si, il l'a fait. Ok. Niveau 3, 6, 7. Je sais pas pour le truc UGG, les gars, désolé. Pas d'info. Ok, les dégâts. Donc, je vous rappelle, le passif de Rammus, c'est plus vous avez d'armure, plus vous avez de dégâts sur les auto-attaques. Là, faudrait push, vu qu'il a utilisé sa TP. Donc, c'est pour ça que le fait d'avoir, d'ailleurs, au niveau des masterises, ce sera sûrement cela que vous jouerez. C'est une des meilleures masterises sur Rammus. Et après, pour les forces adaptatives, c'est attack speed, armure et armure. Parce qu'en gros, comme je l'ai dit, plus tu as d'armure, mieux c'est pour le perso. Comment tu counter Rammus? Alors, Rammus est très... Comment dire? Il peut avoir beaucoup de dégâts, mais quand il a des dégâts, c'est qu'il est mobile. Parce qu'en gros, ça veut dire qu'il est sous Z et qu'il a pas beaucoup de déplacement. Donc, pour battre Rammus, il faut des personnages qui sont très mobiles et qui peuvent power farm. Après, tu peux aussi le gank et le mettre... Il faut surtout l'invade aussi. Il faut avoir un bon mid qui joue aggro, c'est très important. Si tu as un mid dans ton équipe qui invade le Rammus avec toi, le Rammus, il pourra pas faire grand-chose. On va prendre les Bami. C'est parti. En gros, user to counter. Il y a beaucoup de persos qui counter Rammus. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Rammus, tu joues pas Rammus parce que le perso est fort. Tu joues Rammus parce que tu as une idée en tête, c'est de ganker et mettre bien tes lanes. Rammus n'a pas forcément de match-up genre giga free, tu vois. Tu peux faire le taf, mais il faut surprendre. Ok, parfait. Oula. What the fuck? La hache là qui est partie prendre des dégâts. Allez hop, on push. Il y a eu Udyr au-dessus. En plus, pour ceux qui le savent pas, quand tu joues sur serveur PBE, tu as beaucoup plus de ping. Je suis à 110, c'est pas agréable hein, en termes de déplacement là. C'est quoi le test sur Rammus? Alors vous allez voir, quand je vais passer niveau 6, mon ultime va complètement changer. Je vous rappelle, avant, le R de Rammus faisait des secousses autour de vous. Plus le mec recevait des secousses, plus sa move speed était réduite. Mais là, c'est pas le même délire, c'est toujours un peu le délire de l'onde de choc qui sera en AOE, mais celui-ci sera un skill. Donc en gros, quand tu passes niveau 6, tu vas pouvoir dash de là à là.
Voilà, déjà, sache-le. Après, ce qu'il faut que tu saches, c'est que plus ton personnage sera mobile, plus ta distance sera lointaine. Et en plus de ça, faut savoir que quand t'es sous Q-Spell, donc du coup que tu vas vite, t'as une range bleue. Et la range bleue te permet de sauter plus loin. Donc en gros, pour avoir plus de dégâts sur l'impact, le but est d'être sous forme de Q-Spell. Comme ça, dès que t'atterris sur la zone, le mec va prendre les dégâts aussi de ton Q-Spell. Et pour moi, c'est un gros up sur Rammus. Pour moi, c'est un gros up et ça va faire la différence. Parce que Rammus, en gros, sa grosse problématique, c'est qu'il est pas très mobile. Donc maintenant que son R va lui permettre de déplacer les murs, enfin de passer à travers, bah du coup, même s'il est en danger, il va... Regardez. Ils sont 3, je peux pas. S'ils étaient 2, j'aurais tenté le move. Regardez, je vais essayer un truc. Je gagne de la MS. Ouais, faut se casser. Ouais, bon, ça va, quoi. C'était avant que les viewers tryhard, quoi. Ouais, exactement. En fait, quand t'es sous forme de Q-Spell, il faut que tu sois au centre de la zone pour mettre les dégâts du Q. Et c'est pour ça que c'est très dangereux, parce que si tu rates ton R quand t'es sous forme de Q-Spell, derrière, tu as plus de proc aftershock et tout, et ça peut rendre les choses problématiques, quoi. Le Xin 24 CS... Regarde si tu peux mettre ton ultime et flash, genre pour surprendre comme un Yasuo. C'est une bonne question, j'ai pas essayé sur le serveur PBE si tu peux flash pendant ton travel time, mais il me semble que c'est pas possible, ça serait un peu cheaté quand même. Après la problématique qui est toujours actuelle, c'est que bon, faire un Drake avec Rammus, c'est pas le meilleur perso quoi. Genre t'as pas des dégâts constants, tu vois, de fou, tu vois. Regardez bien, regardez la range de mon saut là. Voilà, c'est nouveau Rammus. Voilà, tu l'écrases. Voilà. C'est le nouveau R. C'est un petit jump. Et encore que là, j'ai pas beaucoup de move speed. Si tu as le Ghost et que tu as, par exemple, le Chimico Scaphandre, ça peut être pas mal aussi, quoi. Hop, les bottes, et c'est parti. En fait, ce qui est bien, c'est que Rammus, avant, c'était très rapide, donc ça pouvait surprendre. Maintenant, c'est très rapide, en plus de ça, ça fait un jump. Donc le mec, tu peux le surprendre à travers un mur, donc ça peut faire vraiment le café, quoi. Problème, c'est que je suis pas sûr de pouvoir gagner la game, là. J'ai toutes les lignes qui perdent. Non, le chat, ça suffit. Allez, hop, once again. Allez, hop, on apprend jamais de ses erreurs. Hop. Voilà. Bon, est-ce que je peux carry une game avec Rammus? Nous allons le savoir. On active l'item. Et lui, je peux l'avoir. Allez, let's go, bien joué. Il sort quand le rework de Rammus? Il sort le 14. Et il me semble que ça sortira, j'ai dit peut-être de la merde, mais ça sortira aussi du coup le patch sur Darius, Mordekaiser et compagnie. Là. J'ai pas de smite. Vous pouvez attaquer le... Est-ce qu'on peut attaquer le dragon, les gars? Voilà, vous avez vu la force d'engage avec l'aftershock? Du coup, ça te permet de faire une grosse agression et de reculer, quoi. Et ça rend vraiment les trucs intéressants. Quoi. Oula, attention. Je décède. Mais vous avez vu que, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'admettons, il y a un gros fight ici. Toi, tu arrives du mid. Tu actives ta move speed, tu te mets là. Tac, t'arrives ici, tu peux errer à travers et rejoindre le fight. Et ça peut être incroyable. Dans certaines phases de jeu, je pense que ça peut être game breaker, tu vois. Alors qu'avant, Rammus, si tu roules, tu peux pas sauter, quoi. C'est la nouveauté, quoi. Et je trouve ça pas mal. Clairement, contre un personnage qui te kite, du coup, le R maintenant peut être intéressant, quoi. Génial, VS ceux qui immobilisent pour faire. Et en plus, il y a même une stratégie, les gars. C'est en fait, en gros, tu utilises ton Rammus de base, donc tu cours sur le mec avec ton Q-Spell, tu le tontes, et au moment où tu le tontes, tu erres vers tes potes, et du coup, le mec, vu qu'il est obligé de venir t'attaquer, il va te suivre. Et ça peut être un peu utilisé comme une technique à la Skarner, tu vois. En mode, le mec, tu le grappes, tu vois. Mais si tu le fais parfaitement, tu peux gérer cette mécanique, et c'est vraiment très fort. En gros, tu cours sur le mec, tu tontes le premier, et tu erres sur le deuxième. Je l'ai testé sur le serveur PBE, mais enfin, sur le serveur d'entraînement. Ah. C'est raté, Corki. Et le coup de tête. Ok, qu'est-ce qu'il fait lui? Oula! Oula, Jin! J'irai sur la droite en pensant qu'il allait pas sauter par là. Ok, c'est bon. Oh, frère, c'est bon. Ok, il est tente. Oh, il va trop vite vers Rush Physique, c'est grave. Non! Je taperai! Elle me fume, gros, mais ces ciseaux là, la Gwen. Ouais, bon, là c'est un peu du hint. Bon, ça va, on n'a pas le Drake à jouer, donc c'est plutôt fine. Après, le Udyr est plutôt bien dans la game. Mais ouais, frérot. Je suis Rammus, quoi.
Ah t'es là, Harry. Dommage. Ce qui est bien, c'est que c'est un peu à l'image de Dr Mundo, tu vois. Tu peux faire ça et ça en même temps et ça se fait tout seul, quoi. Comme il a bien joué le 7. Attends, il va pas tuer Xin aussi. Ah ça va Faker, ça va frérot. Ça va frérot. Ok, il y a un mec gros, il est venu en avion mais c'est quoi ce bordel. Bon là le 7 est un peu nourri quoi. Merde, il a réussi à toucher le grappe. Putain mais le rush phasique ça me dégoûte quoi, c'est très grave. Oh, le 7 encore, mais il est toujours là lui. Ok, pas mal. Okay, la Gwen elle est pas là pour déconner, je te le dis moi. Ok, parfait. Ok, on a pas la plaque du mort là, 2100. Ah. Voilà, hop. En vrai de vrai là, il y a la hache qui a la roue. Hein. Mec, c'est incroyable. Parce qu'en plus de ça, je peux pas prendre de CC, j'ai l'impression. Vu que je suis en l'air, je me fais pas CC par le grab de Thresh. Du coup, bah, y a personne qui t'arrête. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est un peu comme un air de Malphite, non? J'ai l'impression que c'est inarrêtable. Du coup, ça veut dire que tu peux vraiment, si t'as la range, tu peux vraiment choper le mec que tu veux target. Et ça, c'est insane. Hein. Parce que ça fait deux fois que je saute par-dessus Thresh et il peut rien y faire en fait. Si son personnage, c'est un personnage qui protège mais qui est pas mobile, bah, je le fracture en fait. Après, là, honnêtement, on est bien dans la game. Après, je rappelle, hein, plus vous avez de movement speed, plus votre air va pouvoir sauter loin. Après, bon, ça sert à rien de faire stuff full move speed parce que ça reste quand même un sort qui peut s'esquiver facilement. C'est pas mal d'en avoir de base quoi. Bon le 7 il aura pas le temps de jouer je crois. Voilà. Voilà je peux R. Voilà, tu vois j'ai R, j'active mon item qui me donne de la move speed. Et le mec il peut jamais s'escape en fait. C'est trop fort. Le mec ne peut pas s'escape. Je le suis dans tous les sens quoi. Ah oui, non, clairement, le Darius peut gank super mal, mais après, imagine, tu combles le fait de gank super mal par un Ghost. Tu joues Darius Ghost, par exemple. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je tank, je tank. Ok, je tank plus. Cours. Il y a le Drake. On peut peut-être jouer le Drake. Gizenzao, il a la TP. C'est compliqué, là, il faut le laisser. Il n'y a pas Mort de Jungle. Oui, Mort de Jungle va recevoir un up sur le passif. Il aura un meilleur clear de par son AOE, du coup, avec le passif. Attends, je rêve ou il a pas pris le bisou, là? Regardez bien, regardez bien. Et c'est le saut de l'ange. Oh putain. Je me suis fait soulever. Ok, la Gwen. Ouais, dégâts bruts. Oula, le R. Dommage qu'on n'arrive pas à avoir les Drake. Si c'était la game, elle serait super free. Ah sérieux, ok. En fait, elle attend, et vu qu'il a proc le rechoisi, comme mon avis, il a couru sur Harry, quoi. Mais est-ce que vous aimez ou pas la mécanique du R de Rammus? Est-ce que pour vous il est mieux maintenant ou ou avant? Moi perso je préfère maintenant. Avant c'était bien parce que tu pouvais faire des secousses autour de toi, le mec tu lui mettais des slows. Mais là je trouve que dans tous les cas ça reste quand même quelque chose de vraiment très bien quoi. Parce que en plus de ça, ça fait une onde de choc il me semble. Créer une onde de choc à l'endroit ciblé pendant 3,5 secondes et ça inflige des dégâts magiques cumulant les ralentissements. En fait ça fait le même truc qu'avant, sauf que maintenant c'est une zone fixe. Regarde, 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 regarde. Oh vous avez vu le bump sur Thresh? Ok, bonjour à vous. Hop, c'est le taxi. Ok, on va chercher le 7. Bonjour.
tu peux aller chercher qui tu veux en fait avec le R, c'est ça qui est trop fort. S'ils ont une équipe qui est faite pour protéger l'ADC, ben grâce à ton R tu vas chercher juste l'ADC quoi. Et avec le gain de move speed, vous avez vu, je crois que j'ai sauté de là à là-bas quoi. C'est trop fort. C'est encore, je crois que ben, la range est plus longue que l'ultime de Malphite au final. Hein. Tu peux engager de plus loin quoi. Et Gwen, vous en pensez quoi de Gwen? Parce que là en soi elle est en 12-3, mais est-ce que vous pensez que le perso il est légit ou ça va partir en couille quoi? Non, je suis pas cancellable pendant mon jump, y'a rien qui m'arrête apparemment je crois. C'est un peu comme le air de Malphite. Fiora tiers, si ça snowball ça va être débile. Je vais essayer un truc, c'est pour la science, n'ayez pas peur. C'est juste pour la science. Avec le bump, c'est... Parce qu'en fait, le mec, s'il est bump avec mon Q-spell, ça veut dire qu'il va rester dans les stacks du R. Vu que je vous ai dit, ça proc 4 fois et ça met le slow et les dégâts. Du coup, c'est trop bien. Parce que le mec, il va être bump dans ta zone qui va mettre les secousses. Donc, il peut pas partir, en fait. Surtout que tu vas le taunt dans cette zone. Donc, ça veut dire que il va vraiment pas pouvoir partir. Darius ne peut pas te 1v1 constamment dans ta jungle. Bah, Darius, c'est un bon duelist. Après, je sais pas ce que ça va donner. Et ouais, le problème de Seth, c'est que s'il se fait taunt par Ramus, il peut pas Z. Et ça, c'est une grosse problématique pour lui. Ah, il a fait un peu trop tôt, j'ai l'impression. La QSS. Putain, je pensais vraiment qu'on allait la lose, celle-là. Ok. Eh ben écoutez, je suis conquis, hein. Pour ceux qui le savent pas, en saison 6, j'étais au TP Ramus. J'étais monté Master à 150 LP. Tout dépend de comment ça rend sur le vrai serveur. Si je vois que je me fais trop counter jungle ou je sais pas, tu vois. Mais il y a peut-être moyen que vous me revoyez jouer ce genre de champion, quoi. Parce que j'adore vraiment le potentiel des tanks engage, c'est vraiment mon fort, quoi. Donc voilà, c'était une game qui s'est passée sur ma chaîne Twitch, si ça intéresse des gens. Donc vous pouvez retrouver les liens dans la description et dans le message épinglé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous montre maintenant les graphiques. Et on va voir du coup, en termes de tankiness, ce que ça donne. Donc dégâts, bah, je suis pas trop mal. Et tankiness, je suis pas trop mal non plus. Donc voilà, on se quitte sur ça. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un petit like, à t'abonner à la chaîne, bien évidemment. On se dit à demain 16h pour une nouvelle vidéo. C'était Sixen, ciao les Spartiates et à bientôt.